Salut tout le monde, bienvenue pour l'épisode 40 de notre mode univers dans WWE 2K18. Nous sommes à NXT juste avant le prochain NXT Takeover. Alors depuis plusieurs épisodes maintenant, je dis que le prochain NXT Takeover c'est New Orleans, mais pour le jeu c'est Florida en fait. Mais bon, heureusement nous pouvons créer des arènes, créer des shows, créer des pay-per-view pour le calendrier du mode univers, donc pour ne pas perdre la face, j'ai téléchargé une arène d'NXT Takeover parmi les créations, New Orleans, pardon, parmi les créations de la communauté, donc on sera bien à la Nouvelle-Orléans pour NXT Takeover. Et puis, bon, pour suivre la logique, j'ai quand même téléchargé une petite arène créée de WrestleMania 34, comme ça on sera pas à WrestleMania 33, quoique j'hésite encore parce que l'arène WrestleMania 33 est quand même très sympathique. Bon. Donc c'est le dernier show NXT avant le prochain Takeover. Show pendant lequel TM61, Shane Thorne et Ty Dillinger vont défendre le titre NXT par équipe contre deux représentants de la Star Factory, Curt Hawkins et Sawyer Fulton. Mais ce soir, c'est Tyson Kidd qui va être en action contre Shane Thorne. Et oui, j'ai pas défini d'entrée à 3 pour ces 3-là. Du coup, il se ramène en mode Evolution. Voilà, Curt Hawkins qui se prend pour Triple H, il se prend pour le roi d'NXT, et quelque part, il n'a pas tout à fait tort. Donc, petit échauffement pour Shane Thorne, petite occasion de faire ses preuves pour Tyson Kidd, qui donc tentera de plaire à ses camarades de la Star Factory. Et je serai donc spectateur de ce match en contrôlant Curt Hawkins. Allez Shane, il est temps que tu affrontes les faits. Star Factory est trop forte pour vous. Cette équipe est la plus puissante des NXT désormais. Oh. Ils ont battu les plus grands, les plus terrifiants. Ils ont semé le doute parmi The Authors of Pain. Ils ont détruit The Authors of Pain en les battant à plusieurs reprises. Et en battant toujours le même. En battant toujours Akum. Ce qui a attisé la colère du champion NXT, donc solo masculin, Razor, qui a donc reproché ses défaites à son partenaire, son désormais ancien partenaire. Et depuis, Akum n'a plus jamais été revu. Et on ne le reverra pas ce soir. Au Phoenix Splash de Shane Thorne. Un mouvement intéressant. Très intéressant. Oh, quel souplesse sur Tyson Kidd. Ça n'a pas dû faire du bien. On va peut-être applaudir un petit peu Tyson. On va l'encourager un tout petit peu. Histoire qu'il puisse se sentir soutenu. Histoire qu'il puisse retrouver un petit peu d'énergie. Non, il a pas besoin d'aide. Il se dégage. Allez Tyson, c'est bien, tu t'es dégagé. C'est un premier pas vers la victoire, mon cher Tyson. Projection dans les cordes, il revient. Ah, une petite erreur de la part de Tyson Kidd qui reprojette Shane Thorne dans les cordes et cette fois-ci, pas de problème, l'attaque a bel et bien touché sa cible. Yay. Ah, oh, monsieur l'arbitre, c'est dommage. Ah, cela dit, c'est vrai que c'est pas mal qu'il y ait ce petit truc-là avec l'arbitre qui fait « Oh non, non, tu restes à l'intérieur, tout ça ». Ça peut permettre à un manager de, on va dire vite fait, hein, de donner un petit coup sans le faire exprès à l'adversaire de son ami, hein. Ni vu ni connu. Pas vu, pas pris. Ce genre de truc, quoi. C'est pas mal, en fait. C'est pas mal. Petit détail intéressant. De retour dans le ring, c'est bel et bien Shane Thorne qui a repris l'avantage. DDT sur Tyson Kidd. Ah, alors que la foule est en train de scander NXT, NXT. Ooh, oh, oh, oh. What a clothesline. Lariat. De la part de Shane Thorne. C'est The Clothesline from Hell. Ouais, petite tentative de tomber de Tyson Kidd après ce contre. Une attaque un petit peu timide quand même. Mais c'est bien, il fait preuve de bonne volonté. Il a envie de faire les choses bien. Mais il est un petit peu trop précipité. Je crains malheureusement que ça sent le roussi pour notre ami Tyson Kidd. Il va subir une terrible sit-out powerbomb. Oh là là, Last Ride Powerbomb. Très stylé, très très classe comme prise. Avec Kurt qui tente de réveiller un petit peu la foule, mais malheureusement,
c'est fini pour Tyson Kidd. Défaite contre Shane Thorne. Il a été bon ce soir. C'est donc un message fort envoyé aux challengers ce soir qui vont pouvoir observer le vainqueur de très très près alors qu'il célèbre. Nous connaissons désormais l'adversaire de Razor pour NXT TakeOver New Orleans pour le titre NXT. Il s'agit d'Aleister Black qui a donc été nommé prétendant numéro 1 après ses bonnes performances. Ce soir, donc, le champion Razor va affronter Bo Dallas, accompagné par son partenaire Hideo Itami. Ensemble, ils forment l'équipe Idebo. Et ça va pas être une tâche très facile ce soir pour Bo Dallas. Mais bon. Il sera en action tout comme le rival d'Hideo Itami, pardon, Cassius Ohno. On verra ça un peu plus tard. Et Razor va arriver tandis qu'il a empêché son futur adversaire, Aleister Black, de se préparer correctement parce que Aleister Black était dans le main event de l'épisode précédent avec NXT et le match a été interrompu par Razor qui a frappé Aleister Black. Du coup, disqualification, Aleister Black déclaré vainqueur, sauf que le match n'a pas duré très longtemps et du coup, Aleister Black n'a pas été en mesure de se préparer correctement. Du coup, Razor va pouvoir peut-être, lui de son côté, se préparer correctement et envoyer un message au challenger. Je suis tenté de faire un truc quand même. Tu marches trop lentement, Razor. Tu me casses un peu les pieds. Boum ! Il a rien vu. Eh ouais. Eh ouais, un bon coup de ceinture dans le visage. Et voilà, on peut donc commencer ce match. Bo Dallas qui malheureusement n'a pas... Ouh, je vais engueuler un peu l'arbitre là, attendez. Je vais... Non, à la distraction de l'arbitre qui maltraite la ceinture. Genre le mec il veut la sortir et il galère comme un malade. Idéo. Oh non, la chute. Oh, la chute sur la chaise. Oh, la projection, terrible. Oh, Hideo. Qu'est-ce que tu fais, Hideo? Oh. Ouais, mais tu l'as fait trop tôt, Hideo. T'es pas malin. Ah, si, quand même. Bo Dallas a pu attaquer. Drop to hold. Croche-patte. Croche-pied. Croque en jambe. Intéressant, tout ça. Ok, bon, qu'est-ce que tu fais? Intéressant, ça peut être intéressant. Attendez une minute. Oui, voilà. Coup de boule. Voilà, ça va te calmer un peu. Non, toi tu fais pas le malin, d'accord. Est-ce que j'ai le droit de le projeter contre la chaise? Je ne sais pas. Il va sortir la ceinture? Non, il sort la ceinture ou pas? Bon, tu vas la sortir cette ceinture, donne-la-moi. Oups. Voilà, c'est ma ceinture. On soit un peu respecté par l'arbitre. T'as compris? Bon, poursuivons. Le champion qui se fait respecter, hein, l'arbitre n'a même pas osé le disqualifier. Razor veut faire régner la terreur. Et parce que je rappelle, il a quand même défendu son titre il y a quelques épisodes de cela contre un certain Nick Miller qui a été complètement absent du match. Enfin, en tout cas, il dominait, puis en quelques instants, boum, c'était terminé. Comme ça, sans prévenir. Ce pauvre Nick Miller n'a pas eu la moindre chance contre ce barbare qui vient de dégager Bo Dallas du ring, mais c'est pas vraiment ce que je voulais faire. Je voulais vérifier un truc. Voilà. Tiens, attendez. On va faire un petit truc un peu gratuit. Non, c'était une feinte. Je voulais lui faire croire que je voulais le frapper, alors qu'en fait, non, c'était pour lui faire peur. Je suis sûr qu'il a été terrifié. Ce pauvre Hideo Itami. Oh, c'était lamentable. On a eu la même idée en même temps, ce qui fait que la corde à linge de Razor a à peine effleuré Bo Dallas. On s'est un peu tapé mutuellement. Et du coup, Bo Dallas qui reprend l'avantage avec son partenaire, qui a encore distrait. Razor n'a-t-il donc pas compris?
Voilà. Là, t'as peut-être compris. Abandonas, tu vas te calmer. Voilà. On se fait un peu respecter par tout le monde. Surtout par l'arbitre, maintenant que j'y pense. Et boum, voilà. Allez, Bo Dallas va se faire massacrer. Powerbomb et tentative de tomber, voilà. C'est terminé. Voilà, maintenant tout le monde se tient tranquille. Hideo s'est recouché, il a bien raison, il ne veut pas être sur le chemin de Razor. Et ce pauvre Bo Dallas a été complètement détruit. Oh non, Razor, non, il a suffisamment souffert. Razor, ok, non, c'est bon. On se tait, on détourne le regard. Oh, le coup de chaise sur ce pauvre Bo Dallas. Oh, et voici Aleister Black. Le seul qui vient s'interposer pour sauver Bo Dallas. La chaise est tombée des mains de Razor et Razor est dégagé du ring par le prétendant numéro 1 pour le titre NXT. Deux points moyens ont gagné des matchs à 4. Johnny Gargano a gagné le sien dans l'épisode précédent avec NXT. Cédric Alexander également. On a donc deux potentiels challengers pour le titre à points moyens détenu par The Brian Kendrick. Avec ce nouveau match à 4, on va avoir un nouveau prétendant potentiel et je pense qu'on va bricoler un petit truc, on va faire une espèce de match de pré-show dans lequel les trois vainqueurs de ces trois matchs, donc les trois vainqueurs de ces matchs vont s'affronter pour savoir qui va affronter le champion points moyens The Brian Kendrick. Ou alors c'est pas encore définitif, hein. Je me connais, je change assez souvent d'avis quand je choisis des matchs ou ce genre de choses. Je pourrais décider de faire un match à 4. Mais bon, c'est vrai que j'aimerais bien avoir un petit match 1 contre 1, ce serait rigolo. Ou alors avoir une situation un petit peu particulière, je ne sais pas, un match en cage, un match Hell in a Cell, pourquoi pas. Un match à 4 Hell in a Cell, ce serait pas mal du tout. Ou match de table, match d'échelle, ça pourrait être rigolo. Très rigolo. Donc on verra bien. En tout cas, vous l'avez vu, le premier participant, c'est moi, Kev Raker. Incroyable. Le deuxième, Rich Swann, qui donc pourra éventuellement se qualifier. Oui, je me souviens pourquoi je voulais à la base faire un match en 1 contre 1 pour les titres pour moyen. C'est que je crois qu'il n'a presque jamais été défendu dans un match en 1 contre 1. Je me souviens qu'on avait fait une première défense de titre avec 8 participants dans un match de l'échelle incroyable. J'avais contrôlé Jack Gallagher, j'avais pas gagné malheureusement. C'était assez rigolo. Troisième entrant pour ce match, Roderick Strong, qui dans ce mode univers n'appartient pas à Undisputed Era. Il est tout seul. Et d'ailleurs, puisqu'on en parle, je vais dire une phrase que j'ai beaucoup dite dans les épisodes récents. On ne l'a pas beaucoup vu dans ce mode univers. Encore une fois, je vais me répéter, il y a tellement de monde dans les effectifs, oh là là! Je devrais me faire une liste de phrases que je peux dire à chaque épisode, ça simplifierait beaucoup le travail de commentateur. Hein. Franchement, ce serait très pratique. Et quand même, voici un gros prétendant, je pense. L'un des favoris de ce match. Peut-être même le favori. The King of the Cruiserweights, Neville, qui, en vrai, c'est désormais officiel, n'est plus chez WWE. En tout cas, d'après ce que j'ai lu, il ne l'est plus ou il est sur le point de ne plus l'être. C'est bon, ils se sont mis d'accord. Normalement, il devrait être libre. Libre. Mais dans ce mode univers, il n'a aucune raison de partir parce qu'il pourrait grimper au sommet de la division point moyen et pourquoi pas, peut-être, demander un petit match genre pour le titre NXT. Hein, je sais pas. Je voudrais faire un petit truc comme ça où genre les champions, on va dire, mineurs, entre guillemets, hein, bien sûr, parce que bon, chaque titre est censé être important. Mais ce serait pas mal que de temps en temps, je dise, ah bah tiens, le champion en poids moyen, voilà, qu'on voit pas beaucoup, a droit à un match de titre, je sais pas, WWE, au pif. Ou NXT, le titre NXT est très prestigieux. Ça pourrait être sympa. En tout cas, je suis pour l'instant opposé à Roderick Strong, qui s'écrase par terre. Oh là là, terrible, ça doit faire mal au coude.
La descente qui n'a touché personne. Mon pied a touché ton torse, par contre. Ah bah ça y est, Nevold qui tout de suite a sorti la chaise. Oups là, attention, je t'ai vu Nevold. Hop, j'ai vu Nevold et je... J'ai fait tomber Nevold et je me suis pris la chaise dans la figure. C'est pas ça que je voulais faire, mais... Oh tiens, c'est pas mal ça. Bonne idée, finalement c'est une très bonne idée de faire ça. Donc encore un match à 4 hein, dans cet épisode. On en a fait 2 à SmackDown dans l'épisode 39. Dont un que malheureusement je n'ai pas pu commenter en direct parce que j'avais coupé le micro pour me moucher un peu plus tôt et que j'ai oublié de le rallumer. Quel dommage, surtout lorsque je gagne avec Becky Lynch. Oh la descente, oh la, plutôt la souplesse, voulais-je dire la souplesse extérieure. Heureusement, je pense que je n'ai pas trop heurté la table, même pas du tout. Attends, peut-être même que lui va la heurter la table. Roderick Strong, oh qu'il est beau ce brise-nuque. Oh, alors que Nevold a sauté sur Rich Swann, laisse-moi Nevold, laisse-moi le massacrer sur cette table. Ah, oh, quel dommage. Oh, par contre, ouais. Oh. L'impact entre les superstars et les objets au sol n'a pas d'animation particulière, contrairement à SmackDown vs. Raw 2011, ce qui est curieux en fait. Peut-être un petit DDT, non? C'est pas un DDT ça, qu'est-ce que... Oh, yay, yeah. Oh là là. Roderick qui a souffert, je pense. Je veux dire quoi? Par contre, niveau visuel, des attaques qui passent super bien, donc pour faire chuter un adversaire sur un objet, ce sont les attaques sur les échelles. C'est donc pourquoi je vais lâcher ce que je suis en train de faire pour aller interrompre la prise de soumission de Nevold. Oh, bien joué. Bien joué, mon ami. Mince, oh, je vais me faire... Ah, oh, je vais me faire expulser du ring, quel dommage. Voilà, Roderick qui a tenté d'être opportuniste. Alors, je pense que Rich Swann se dégagera tout seul, hein, même s'il avait continué à faire n'importe quoi, je pense qu'il se serait dégagé, Rich Swann. Il a pris ce mâchoire pour se rebeller un petit peu, Rich Swann, qui se bat pour sa vie, qui se bat pour une opportunité, pour un match de championnat. Cela dit, il est seul contre deux. Moi, je suis tranquille à l'extérieur. Attention, Nevold. Oh, bah, il a tapé tout le monde, là. Un peu involontairement. Tandis que je vais pouvoir extraire l'échelle de cette zone qui est le dessous du ring. Roderick, est-ce que... Oh! Hey! Nice! Super attaque, mon cher Rich Swann. Mon échelle! Tu viens là. Oh, tu viens là. Oh, tu vas tellement souffrir. Voilà, fallait pas me chercher. C'était mon échelle, espèce de monstre. Voilà, backbreaker sur Nevold. Donc je descends du ring, je récupère mon échelle, je regarde Roderick Strong et je lui colle l'échelle dans le dos. Voilà, ça c'est parfait. Maintenant je suis content. Maintenant observons un peu Rich Swann. Mais c'est quoi cette manie d'expulser les objets du ring? C'est pas possible! Pardon. Viens par là. Viens par là. Oh, c'est pas possible! Bon, de toute façon, j'aurais pas touché l'échelle de toute façon. J'ai dit deux fois de toute façon, mais c'est pas grave. Je fais ce que je veux de toute façon. Et voilà! Ça passe nickel. Oh, l'animation de ces attaques est sublime. On continue, bien sûr, on continue. Pourquoi s'en priver? Allez. La bombe, la bombe. Ah, j'ai raté l'échelle. Oh, ça a touché l'échelle quand même, je pense. Ça a dû un peu toucher l'échelle. Mais on peut s'arranger hein, pour que ça touche l'échelle. Il n'y a pas de problème. Ah, il contre, quel dommage. Elle est prise portée à Rich. Monsieur Richard. Voilà. Richard, merci. J'ai deux finishers désormais. Tout le monde est fatigué, je pense qu'il serait raisonnable. Ah, j'ai pas envie d'être raisonnable. Ah, mince, Nevold qui tente le tombé spécial. Et heureusement pour tout le monde, sauf pour Nevold bien sûr, Rich Swann se dégage. Ah, j'ai tellement envie de placer quelqu'un sur l'échelle et de porter mon Phoenix Splash. Ah, ce serait tellement beau. Alors, j'aimerais que tout le monde me laisse tranquille. Voilà, parfait, on va les laisser se battre. Ouh, shoulder backbreaker, yay, nice. Nice. Nevold est peut-être éligible à la souffrance ultime. Oh, peut-être que Strong est pas mal. Strong, voilà. Strong, t'es fort. T'es fort, Strong.
Boom. Hop. Ah, j'ai expulsé Strong during, c'est dommage. C'est pas vraiment ce que j'espérais. Non mais. Hop. Et hop. Bon, cela dit, ça crée une opportunité unique, donc je vais pas la gâcher. Qu'est-ce que. Ah mais non, c'est pas le mode carrière. C'est pas le mode carrière. Oh mince, je me suis raté. Oui, c'est vrai que je peux me lancer depuis la troisième corde. C'est l'habitude. Ça fait tellement longtemps que je peux jouer au mode carrière, mais j'ai tellement l'habitude quand même. Viens là, Rich. Allez hop, dépêche-toi Kev. Faut pas avoir de problème. En plus, il reste bien sur l'échelle, hein, c'est bien. Hein. Dommage que Roderick me pète un petit peu mon moment. Et que Neville m'expulse du ring. Tu vas me respecter un petit peu, ouais. Voilà, corde à linge. J'ai magnifique contre Roderick Swan. Que c'est beau. Que c'est beau. Ne monte pas sur les cordes. Ne monte pas sur les cordes. Je t'avais prévenu. Oh non. Voilà. C'était épique. Descendre de la jambe pour casser le tombé, c'était magnifique. Et on expulse Neville, c'est possible. Oh là là. Oh, je lui ai marché dessus. C'était tellement beau. J'adore. Coup d'avant-bras, contré par Neville, qui tente de m'attaquer, mais je contre. Hop. Allez, Kev. Saut chassé qui passe. Neville reste dans le ring. À mon grand désarroi. Non. Quoi ? Le placement du contre majeur était surprenant, pour le moins. C'était quoi ? C'était son coup spécial ? Son finisher, je sais pas. C'était peut-être un coup spécial. Il va tenter le finisher, ouais. Mince. Ouais, je me suis totalement fait avoir. J'avais... Oh, non, c'était un finisher. Il avait deux finishers, le filou. Le petit filou, il avait deux finishers. Allez, tout va bien, Kev. C'est bon, je sors du ring, mais il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? N'importe quoi. On lui a empêché de sortir. C'est déjà un petit avantage en soi. J'ai envie de m'obstiner un tout petit peu quand même avec cette échelle que je ne peux pas attraper parce qu'elle est... Si, elle est là. C'est bon, je l'ai. Hop, ok. Voilà, boum. Boum. Voilà, tout le monde mange l'échelle. Attention. Oh là là, je saigne en plus. On s'évade. Il y a du sang. Ouh. Oh yeah. Oh yeah. Ça a été cool. Roderick. Dégage de mon ring. Purée, c'est pas possible. Magnifique. Oh la combinaison. Oh, cette attaque combinée sur Roderick Strong, c'était magnifique. Évidemment, il se relève tout de suite parce qu'il a sa revanche. Et il la déclenche sur ma tronche, bien sûr. Évidemment, c'est pas de chance. Oh, super kick. Incroyable. Ah, c'est son coup spécial, c'est pas son finisher, ce coup de pied là, c'est terrible. C'est terrible. Tout peut arriver dans ce match. Quatre hommes qui se battent pour un match de championnat, mais c'est pas le moment de frimer. Rich. Roderick Strong qui a tenté de m'attaquer. Et il dégage du ring. Rich Swan. Ah mais j'ai déjà trois finishers là. Qu'est-ce que je vais essayer de faire? Je vais essayer de dégager Rich Swan du ring, ce serait pas mal. On va essayer d'achever Nev avec un magnifique Phoenix Splash. Si je peux choper les deux. Bah alors. Bah. Ah oui mais. Ah ah mais j'avais pas activé mon finisher. Ça c'est pas de chance. Là je fais des attaques en courant, j'en ai plus rien à faire. Et voilà, on se protège un peu de Rich Swan avant de plonger sur lui. Nev se relève. Voilà, hop. Boum. Il contre. N'empêche, je fais pas mal de choses de travers dans ce match. Pas que dans ce match, cela dit. Mais voilà, je spam un petit peu les attaques en courant et j'aurais clairement pas dû. Allez, ça passe. Boum, ça passe. Allez, on tente le tomber. J'ai perdu mon coup spécial, c'est pas grave. Mais ça passe, voilà. Voilà, écarte-toi de la... Sors du champ de la caméra, Roderick. Sors du champ de la caméra. Bon sang, on m'a même pas vu célébrer après ce terrible match. Terrible dans le sens où il était épuisant, quoi. Voilà.
je gagne. Je rejoins donc Johnny Gargano et Cedric Alexander parmi la liste des trois plus gros prétendants pour le titre poids moyen. Et ça, c'est cool. Mais ça n'a pas été facile, il y a tellement de trucs que j'ai fait de travers. Ou même parfois des petites choses qui n'ont pas forcément fonctionné comme je le voulais, donc il y a eu des choses qui n'étaient pas forcément de mon ressort. Cassius Ohno est en guerre depuis plusieurs semaines avec Hideo Itami. À NXT TakeOver New Orleans, ces deux hommes vont régler leur compte. Mais ce soir, Cassius Ohno affronte un adversaire complètement différent de celui qu'il attend à NXT TakeOver New Orleans. Il affronte Kalisto, ancien champion poids moyen, si je dis pas de bêtises. Dans ce mode univers, hein, bien sûr. Donc Kalisto qui est plus un aérien, plus qu'un technicien ou un gros frappeur comme Hideo Itami. Mais bon, ça restera quand même un match assez intéressant à voir. D'autant plus que, je rappelle, pour NXT, il reste deux rivalités officielles du jeu. C'est-à-dire que voilà, il y a deux rivalités gérées par le jeu dans NXT, puisque vous savez, on s'est débarrassé de Raw et de SmackDown assez rapidement. J'ai juste gardé les deux rivalités qui m'intéressaient le plus. Bon, puis aussi, c'est pas mal d'avoir un show avec quelques rivalités gérées par le jeu, parce que ça évite d'avoir à produire des scènes à côté. J'ai fait ça pour des facilités de production, j'ai tellement honte. Ou pas, c'est pas grave. Donc, Kalisto. Qui a pas connu des jours merveilleux en NXT. Il a quand même été bien massacré par No Way Jose avant d'être sauvé par Johnny Gargano. On a eu également rien d'autre en fait. C'est un peu triste hein, pour ce pauvre Kalisto. Et je vais regarder un petit peu les matchs à 4 de la semaine dernière. Je crois que Kalisto était un des candidats que j'avais prévu pour être l'un des prétendants, enfin pour être éventuellement prétendant numéro 1 pour le titre poids moyen. Et je pense pas qu'il ait participé à un des matchs à 4 de la semaine dernière. Attendez un peu. Akira Tozawa contre Johnny Gargano, contre Ben Nathalie, contre Noam Dar. Ah si, pardon. Il était dans le match avec TJP, Cedric Alexander et Tommaso Ciampa. Donc tout va bien. Ouh, Kalisto a subi une powerbomb, mais il a quand même eu son opportunité la semaine dernière. Donc tout va bien. Je serai donc spectateur pour les deux derniers matchs de ce show. Bon, et coup d'avant-bras de Cassius Ohno sur Kalisto qui va peut-être avoir mal au crâne après ce match. Parce qu'on le connaît, hein, Cassius Ohno, il est plutôt adepte des victoires par KO. Il va donc tenter de démolir la tronche de ce pauvre Kalisto avec son avant-bras. Oula, petit coup de pied qui a déstabilisé Cassius Ohno. Stratégie intéressante de la part de Kalisto qui se fait projeter à l'extérieur, mais il parvient à repousser son adversaire. Et Hurricane Rana, magnifique. Ohno qui tortille le bras de Kalisto pour lui écraser le visage par terre. Projection dans les cordes, il revient. Et le bicycle kick. Terrible, absolument terrible. Cassius Ohno qui a mis toute la puissance qu'il avait dans les jambes pour envoyer son pied dans le visage de ce pauvre Kalisto qui se prend. Oh, oh, comme l'éclair. Boum. Oh, c'est terrible. Le coup d'avant-bras en plein visage. Alors ça, c'était terrible. Et pourtant, Kalisto se dégage très vite. Coup de coude au sommet du crâne. Donc, sans surprise, Cassius Ohno vise essentiellement la tête de son adversaire. Il le balade. Hein. Troisième corde pour Kalisto, mais pas de son plein gré, ça risque de faire très mal. Back superplex en préparation et décollage, atterrissage, ou plutôt crash pour ce pauvre Kalisto. Des images bouleversantes qui me font pleurer. Ces larmes n'ont absolument rien à voir avec le fait que j'ai le nez bouché. Reprenons notre calme. Powerbomb en préparation. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va quand même pas le balancer à l'extérieur. Non, ça va. Il va juste lui éclater le visage contre la protection de coin. C'est quand même pas trop mal. Il s'en sort bien, Kalisto. Sur ce coup-là, hein, parce que d'une façon générale, malheureusement, on peut pas dire qu'il s'en sorte bien. Il est complètement débordé par les attaques
incessante et agressive de Cassius Ohno. Encore une fois, coup de coude sur le crâne. Il a été impeccable dans ce match, hein, Cassius Ohno. Il avait un plan très clair. Viser la tête de Kalisto et il s'y est tenu. Et le coup de pied en plein dans le visage. C'est parfait. Et il ne s'arrête même pas là. Il est presque un peu sadique, la Cassius. Il imagine certainement que c'est Ido Itami, hein, qui est sous le masque. Ça doit le motiver et ça doit l'énerver aussi. Oh, alors ce petit coup de coude avec dédain quand même. Et le brise-mâchoire pour punir l'orgueil de Cassius Ohno. Et coup de genou en plein visage pour calmer les ardeurs du petit luchador. Oh, c'est terrible. C'est absolument terrible. On est en train d'assister à un massacre. Et il va le refaire. Hein. Encore une fois. Le coup de pied en plein visage. Boum. Oh là 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 là. Que ce match se termine. Par pitié, monsieur l'arbitre. Faites quelque chose. Sauvez Kalisto. Parce que là, il n'est pas dans ce match. Il n'est plus dans ce match. C'est fini. Et en plus, il va se prendre le coup d'avant-bras de Cassius Ohno. Kalisto est KO. Terminé. Cassius Ohno a été terrible. Il a été d'une efficacité redoutable dans ce match. Et voici Hideo Itami qui attaque Cassius Ohno par derrière, tandis qu'une cage est apparue au-dessus du ring. Et la voici qui descend. Le défi est lancé. Hideo Itami et Cassius Ohno s'affrontent dans un match en cage à NXT TakeOver New Orleans. Quelle information incroyable! Oh, le coup de pied dans les parties intimes. Et c'est Cassius Ohno qui va goûter la scie en premier. C'est maintenant l'heure de notre main event de la soirée. Et nous accueillons la championne NXT, Peyton Royce. Elle va défendre cette ceinture lors d'NXT TakeOver New Orleans contre sa rivale et ancienne meilleure amie, Billie Kay. Mais ce soir, Peyton Royce affronte Ruby Riott. C'est donc un match de préparation pour la championne qui est quand même sacrément badass. On a pu voir dans les semaines qui précédaient, donc qui ont précédé évidemment cet épisode, qu'elle a quand même bien dominé sa rivale Billie Kay et qu'elle était même capable de gérer deux adversaires à la fois, parce qu'une fois Billie Kay était venue aux abords du ring histoire de déstabiliser un petit peu Peyton Royce, mais Peyton a non seulement continué à tabasser son adversaire du match, mais elle a aussi attaqué Billie Kay pour éviter évidemment que Billie Kay ne l'attaque la première. C'est donc une championne forte, une championne en pleine confiance qui a le privilège de faire son entrée en entier, parce que son entrée est quand même sacrément classe. J'aime beaucoup l'histoire de la fleur, l'idée de la fleur, et ses mouvements sensuels. Ouais, mais pardon, les mouvements de Peyton, pas de la fleur. Et voici donc Ruby Riott qui... entrée un peu générique, hein, c'est un peu dommage. C'est vrai que j'avais jamais fait trop attention à son entrée, mais évidemment, création de la communauté. Dans WWE 2K19, on aura une version à jour de Ruby Riott qu'on pourrait avoir avec les DLC de WWE 2K18, mais bon, si proche de la sortie du prochain jeu, je ne vais pas me mettre à acheter les DLC maintenant. C'est donc parti, mais attention quand même, parce que Ruby a peut-être un coup à jouer. Évidemment, elle affronte la championne, donc quand on affronte une championne dans un match qui n'est pas pour le titre, c'est quand même dans tous les cas très important. Donc même que le match soit en, que le titre soit en jeu ou pas, c'est quand même très important d'essayer de battre un champion et une championne. Mais la championne a une rivale qui pourrait peut-être la distraire. Oula, gros plongeon de Ruby Riott. Frog Splash. Eh oui, si jamais Billie Kay fait retentir sa musique ou qu'elle se montre juste sur la rampe, elle pourrait peut-être créer une diversion qui profiterait à Ruby Riott. Donc elle a peut-être un coup à jouer, hein. Oula, petit frottement de tête contre la corde. Une attaque assez originale de la part de Peyton Royce. Ça, c'est une prise qu'on n'a pas beaucoup vue, hein, dans ce jeu vidéo. Ou dans ce mode univers en général. Oh, l'esquive au dernier moment. L'esquive des avant-bras. De la descente des avant-bras de Peyton Royce. Oui, l'esquive. Ça y est, je m'en mêle.
La journée a été longue. Donc l'esquive a été faite par Ruby Riott sur une descente des avant-bras de Peyton Royce. Et désormais, on attaque un petit peu la tête de la championne au sol. Elle n'a pas réussi à maintenir sa prise. Hein. Et c'est Peyton qui attaque. Ruby fait preuve de patience. Hein. Elle calcule bien ce qu'elle veut faire. Elle prend son temps. Mais oh, attention, la souplesse terrible pour Ruby Riott, dont la jambe s'est accrochée sur la deuxième corde. Ça a dû être très douloureux pour la jambe de Ruby Riott. Juste sur l'articulation. C'est peut-être pour ça qu'elle s'est vengée en fracassant le crâne de Peyton Royce contre le sol. Et on a vu une snap souplex à son tour. Ouh, elle a donné un petit coup de pied en passant par-dessus Peyton Royce. Et voici un crossbody, pardon, un body splash. Et une descente de la jambe. Petit coup de pied pour se ressaisir. Et voilà, crossbody cette fois-ci de Peyton Royce. J'ai réussi à prédire ce crossbody incroyable. C'est presque comme si j'avais oublié de rallumer mon micro avant ce match, parce que je m'étais mouché juste avant, et que là j'étais en train de commenter après l'enregistrement. Esquive du coup de genou de Ruby Riott. Donc esquive de Ruby Riott sur ce coup de genou de Peyton Royce. Riott qui balance la championne nonchalamment, et qui monte encore sur la troisième corde. On peut dire que Ruby prête une attention toute particulière au spectacle dans ce match. On apprécie le geste. Oh mince, elle a été attrapée. Ça peut être terrible pour Ruby qui est sur les épaules de la championne et qui se retrouve écrasée contre cette troisième corde. Réception parfaite, impeccable de la part de Peyton Royce qui envoie son pied dans la figure de Ruby Riott. Et c'est peut-être la fin de ce match. La championne avec une première souplesse. Une deuxième souplesse. Et attention, la troisième, cette fois-ci, une Fisherman Suplex. Et ça passe. Et oui, le pied gauche de Hubert était carrément derrière la première corde. Ça se voyait carrément. L'arbitre ne pouvait pas le rater. Assez dommage, elle avait très bien enchaîné le Peyton Royce. Et on sentait bien qu'elle posait beaucoup de problèmes à Ruby Riott, qui n'a pas réussi à vraiment prendre le dessus de façon très nette dans ce match. Heureusement pour elle, son pied est dans la corde et elle peut donc poursuivre ce match. Elle prend son élan. Bon, elle redescend pour prendre encore plus d'élan et pourra arriver en marchant. C'est très décevant. On est pour la première fois à l'extérieur. La championne qui descend des bras de Ruby Riott, pardon. Et qui lui fracasse le crâne contre la barrière. Je pense qu'elle était très déçue de ne pas gagner ce match tout de suite avec cette Fisherman Suplex. Et elle se venge sur Ruby Riott avec notamment ses coups de poing portés violemment au niveau du crâne. Et elle veut balader un petit peu Ruby, mais Ruby ne veut pas être baladée. Elle veut marcher toute seule. On revient dans le ring, l'arbitre était à 7-8 hein, je pense au niveau du compte. Il était donc largement temps de revenir. Il était à 8, je crois. Le brise-nuque. Porté par la championne. Qui éloigne Ruby Riott des cordes. Tentative de tomber, mais dégagement rapide de Ruby Riott. Coup de genou esquivé par Ruby Riott. Et elle est pas assez rapide, hein. Les dégâts ont été importants. Peyton Royce a quand même causé pas mal de dégâts sur Ruby Riott. Et DDT, terriblement violent de la part de Ruby Riott, qui va encore une fois monter sur la troisième corde. Et elle attend que la championne se relève. Mais la championne est un petit peu proche. Elle la pousse un petit peu, c'est parfait. Et voilà, on fracasse le crâne de la championne avec le coude. Et on étire un petit peu le bras. C'est vrai qu'elle travaille un tout petit peu le bras, Ruby Riott, aussi, dans ce match. Un choix intéressant. Un peu curieux, quand même. Le contre, encore une fois, de la championne. Peyton Royce qui gère très bien ses matchs, quand même. Oh, il a claque. Elle veut se faire respecter.
Elle veut se faire craindre. Rolling Death Valley Driver ou Spinning Death Valley Driver, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est pas grave. Tentative de tomber, très grosse prise de la part de la championne. Et dégagement hyper rapide de Ruby Riott. Et là, on est en plein centre du ring. Peyton Royce qui ne commet pas la même erreur que tout à l'heure. Une première souplesse. Une deuxième souplesse. Et revoilà la Fisherman Suplex. Parfait. Absolument parfait. Et c'est donc une victoire pour la championne. Non ! Dégagement de Ruby Riott malgré deux finishers portés par Peyton Royce dans ce match. Belle résistance, belle ténacité de la part de Ruby Riott. Et ce qui a tendance, j'imagine, à agacer un petit peu la championne. Elle est en train de nous sortir un gros match, Ruby. Coup de pied esquivé, peut-elle réaliser l'exploit, peut-elle se ressaisir, mais encore une fois elle est trop lente pour attaquer, mais elle contre quand même derrière, coup de pied et Shining Wizard, l'un de ses finishers avec évidemment le Riot Kick si je ne m'abuse, et elle tente de tomber, est-ce que ça suffit, c'est osé mais ça peut se tenter. Et ça passe! Ruby Riott bat la championne NXT avant NXT TakeOver New Orleans. C'est donc une défaite pour Peyton Royce. J'aurais jamais imaginé voir Peyton Royce perdre ce match avant NXT TakeOver New Orleans. Alors ça par contre, c'est étonnant. Et évidemment Billy Kay sait bien qu'après cette défaite, Peyton Royce doit un petit peu gamberger, au moins avoir des doutes quand même. Et donc forcément, même si elle tente de faire illusion, quelque part elle doit se dire mince, j'ai montré ma faiblesse à mon adversaire. Sauf que bon, Billy Kay, si tu veux gagner, tu fais comme Ruby Riott, tu te dégages après deux finishers, ce qui n'est pas simple. Donc quand même, elle peut encore être confiante Peyton Royce. En tout cas, belle cinématique et image très sympathique pour finir cet épisode. Peyton Royce et Billy Kay vont s'affronter pour le titre féminin NXT à NXT TakeOver New Orleans. Et d'ailleurs, ce show ce sera notre prochain épisode, l'épisode 41. On se retrouve donc bientôt, ou pas, en tout cas le plus tôt possible, pour cet épisode 41. Et on se quitte avec cette image de Peyton Royce qui brandit la ceinture devant sa rivale Billy Kay. Salut tout le monde, à la prochaine.